Sans plus tarder, tonito lexa mombu na nzambe, tant aux lexa frère na biso neo pona matea, to beteli souye sou maboko makasi. Po diaba lingara tsa mawana via moto po pesa yo passe, mais yo seka. Aye plena mangungu no teleka. Zaleje. Amen. Parce qu'avec Jésus, nous sommes plus forts. Nous sommes de plus que vainqueurs. Amen. Bon, tu reçois la Bible, bien sûr, rapidement, dans le livre à Luc. Luc 6. Tu vas d'appeler dans verset 6 à 11. Il arriva un autre jour de sabbat que Jésus entra dans la synagogue et qu'il enseignait. Il s'y trouvait un homme dont la main droite était sèche. Les scribes et les pharisiens observaient Jésus pour voir s'il ferait une guérison le jour du sabbat. C'était afin d'avoir sujet de l'accuser. Mais il connaissait leurs pensées, et il a dit à l'homme qui avait la main sèche, « Lève-toi, tiens-toi là au milieu. » Il se leva et se tint debout. Et Jésus leur dit, « Je vous demande s'il est permis le jour du sabbat de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la tuer. » Alors promenant ses regards sur eux tous, il dit à l'homme, « Entends ta main. » Et tend ta main, il le fit, et sa main fut guérie. Ils furent remplis de fureur, et ses consultèrent pour savoir ce qui ferait à Jésus. Parole du Seigneur. Torosi sous livre, il y a Hébreux 4, chapitre 4, versets 1 à 4. Redoutons donc, alors que la promesse d'entrer dans son repos reste valable, que l'un de vous ne semble être resté en arrière. En effet, cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qu'ils ont entendue ne leur a servi à rien, parce qu'ils n'étaient pas unis dans la foi à ceux qui l'ont écouté. Quant à nous qui avons cru, nous entrons dans le repos, dans la mesure où Dieu a dû. Je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Pourtant, son travail était terminé depuis la création du monde. 4. En effet, il a parlé quelque part ainsi au sujet du septième jour, et Dieu se reposa de toute son activité le septième jour. Parole du Seigneur. Est-ce que tu peux mettre la main ma boucle? Acclamons pour la parole du Seigneur. Amen. Amen. Quand on était en train de prier, j'ai entendu une chose qui m'a fait vraiment du bien. C'est une chose qu'il n'y a pas, si tu vois, la phrase, c'est pas vraiment long. C'est une phrase trop courte, mais elle a une grande puissance. L'amour. Alléluia. Amen. L'amour, ça fait que la vie de quelqu'un change. Maintes fois, nous, surtout les parents, des fois, on pense que Kudiki moi nakanda, ils ont dingue d'arriver même à droit chemin. Des fois, quand on montre l'amour à quelqu'un, ça peut changer aussi sa vie. Alléluia. L'amour, c'est la référence de nous, des chrétiens. C'est que l'amour. Alléluia. Que Dieu bénisse vraiment tout le monde qui veut que l'amour entre dans sa vie. Que Dieu bénisse tout le monde qui cherche vraiment l'amour avec la sincérité. Parce que même pour pardonner, on a cette... non, tous aiment bien dire ça. Kolimbisa ezakobosanate. Mais j'ai fouillé dans la Bible, je n'ai pas trouvé ces mots-là. J'ai fouillé, mais je n'ai pas trouvé. C'est parce que ce n'est pas la parole de Dieu. La culture des chrétiens, la culture des royaumes de Dieu, c'est différent avec la culture de ce monde. Parce que Kolimbi César Gobo Santé, c'est assis dans mon kilioyo. Mais nous, tous dans mon kilioyo, mais nous sommes plus de ce monde-là. Nous sommes plus de ce monde. Mais quand on entre dans le royaume, apprends aussi à pardonner. Apprends à aimer et à pardonner. Parole du Seigneur. 2017, il est passé. Qu'est-ce qu'on fait avec notre passé? On les laisse derrière. Si tu veux continuer, si tu veux conquérir là, cette année, entre avec Kobo Sananion sur le passé. Oublions tout qui est passé. C'est ça que j'ai dit tout le temps. Il y a des choses qu'on peut faire avec notre passé. De les prendre comme un chapeau, de la porter toujours comme une casquette. Ou bien de les prendre, de les faire comme un tapis, de l'écraser. De dire oui, n'ayez dit que ça qui passé, mais ça se présente. Parole du Seigneur. Acclamons pour la gloire de Jésus. J'aimerais bien qu'on partage un thème, entre dans le repos du Seigneur. Entre, kota na repos ya Seigneur Nzambe. Entre
dans les réponses du Seigneur. Comme l'homme de Dieu l'a dit le premier jour, cette année, c'est une année de conquête. Et dimanche passé, on a parlé des nouvelles départs. Donc, tout ça, si on voit, il est vraiment lié. Avant qu'on commence la prédication, j'aimerais vraiment attirer ton attention. Fais des efforts. Sokomoni penapongi yeliyo telema. Parce qu'il y a une chose que le diable ne veut pas. Qu'on écoute la parole du Seigneur. Amen. Parce que la parole du Seigneur, il a une grande puissance. La Bible nous dit qu'il a la capacité de séparer. Il a la capacité de séparer. Une chose qui est invisible, mais la parole de Dieu, il a cette capacité-là. C'est pour cela qu'il y a des fois, on cherche des grandes choses. Mais des grandes choses, ça se trouve dans la parole du Seigneur. Comme la Bible dit, nous sommes collés, mais malobanangé kotika là. C'est parce que la parole de Dieu, c'est lui-même. Alléluia. Moi, je dis dans la kit, on a toujours ça. On demande, mais quand on demande, ça arrive des moments qui Dieu il va nous exaucer. Dans la Bible, Dieu il parle d'une manière tantôt d'autre. C'est pour cela que j'aimerais bien que tu sois vraiment attention. Zala vraiment attentif. Si on ne peut pas engager les autres, déranger les autres. Tellement zana kwe moro boye, mais ceci n'engage zala éveillé. Pour yo kamalo banzambe. Parole du Seigneur. On a dit qu'on va parler des entrées ou bien entrer dans les repos du Seigneur. On a vu ici dans la lecture, on a lu Bibeye Bisinga que sabbat mususu. Donc il sait que dans une autre samedi, Jésus a fait une chose. Et mais dans l'autre samedi aussi, il est parti dans la synagogue. Et qu'est-ce que lui, il est parti faire de la synagogue? Parce que si on voit, si on subit un peu l'histoire, synagogues, ils étaient créés après quand les Israéliens, ils ont parti dans la captivité. Parce qu'Israël, il avait une sanctuaire, ou bien il avait un temple, qui Dieu, avant que c'était un tabernacle, après il est devenu un temple où les Israéliens, ils faisaient leur adoration. Bon, on connaît tous qu'il y avait le lieu, il y avait les parvis, il y avait le lieu saint, il y avait le lieu très saint. Donc, dans les lieux très saints, il y avait juste un souverain sacrificateur qui entrait pour donner des offrandes une fois par an. Une fois par an, il est entré dans les lieux très saints pour sacrifier. Mais sinon, dans le reste de l'année, tout ça s'est passé dans les lieux saints et dans les parvis. Mais quand ils ont parti dans la captivité, Israël, ils sont partis comme des esclaves. Ils n'avaient pas un endroit où ça les permettrait de faire l'adoration. Là, Dieu il a touché dans le cœur d'un prophète, des sacrificateurs. C'est un Lévi qui s'appelait prophète, donc il s'appelait Esdras. Esdras, lui, il a lu le Torah, il a lu les commandements. Il a dit non, on ne peut pas arrêter comme ça. Mais on va créer par l'inspiration de Dieu. Ils ont créé cette chose qu'on appelle des synagogues. Synagogue, c'est quoi? C'est comme les églises dans notre époque. C'est une assemblée de gens qui croient en Dieu. Ils se unissent pour adorer leur Dieu. Donc, c'est que ça signifie qu'après le temple, le synagogue, il est devenu un lieu très sacré pour les Juifs. Donc, parce que c'était un endroit qui, dans la semaine, ils prenaient des enfants, bon, comme les frères, les sœurs qu'on voit ici, ils prenaient des enfants pour l'enseigner le Torah. Parce qu'en Israël, c'est une coutume d'enseigner les enfants de la parole de Dieu. Des fois, je dis, il n'y a que nous qu'on n'a pas ça. Si on voit les Juifs, ils font ça. Si on voit des frères musulmans, ils font ça. Ils enseignent les enfants, quand ils sont encore tout petits, la parole de Dieu. Et c'est ça qui donne l'efficacité quand ils vont grandir, de plus se perdre dans ce monde, mais de rester fidèles dans la parole de Dieu. Alléluia. C'est pour cela, les parents, soyez fermes de la parole de Dieu. Des fois, on dit non, ceux qui n'ont même l'église à votre sang, quel nom? Parce que vous là, si pour na mbuma école, matangam vous le quoi ramba monte quoi comme moko. Mais litangam moko ne zokwe ya yango zosa la pour na mbuma école. Donc c'est que amen qui va écouter aujourd'hui, louer le Seigneur qui va écouter demain, c'est ça qui va amener l'enfant dans le droit chemin de suivre la vérité qui est la parole de Dieu. Alléluia. Et qu'est-ce qui se passait? Donc c'est que c'était un endroit où ils faisaient culte. Mais Ezraki ne loko moko ou Ezraki est un peu difficile à cette époque. Ce n'est pas tout le monde qui avait l'accès d'entrer dans la synagogue. Donc tout le monde qui avait des défauts, ils étaient vraiment difficiles qu'ils entrent dans la synagogue. Comme cette histoire qu'on voit ici, ils ont dit qu'il y avait un homme qui avait la main droite. Si on voit cette histoire qu'on vient de lire, c'est écrit dans le livre de Luc, c'est écrit dans le livre de Matthieu, c'est écrit aussi dans le livre de Marc. Mais il y a quelques gens qui n'ont pas parlé de ça. Donc on a pris un peu le livre de Luc parce qu'il a donné quelques détails que j'aimerais bien qu'on partage cet après-midi avec vous. Alléluia.
Bon, les choses que c'était bien, c'était quoi? Ils ont dit que Jésus, il est parti dans la synagogue. C'est que Jésus, il avait l'habitude d'aller dans la synagogue. Pour ouvrir une petite parenthèse, il y a des gens aujourd'hui qui disent qu'aucune église est zamabé. Mais là, on voit Jésus, il partait dans la synagogue. Et quand il partait dans la synagogue, il avait l'habitude d'écouter et d'enseigner. Alléluia. Parce que la synagogue, ça marchait toujours comme ça. Donc, dans la synagogue, parce qu'on voit bien le suivre 7. Donc, même quand si on entre dans les tabernacles, donc dans les septième jours, ils changeaient presque le pain qui était dans les tables. Parce qu'il y avait une table où il y avait 12 pains. Et donc, chaque septième jour, ils changeaient ça. Donc, c'est que dans les synagogues, c'était comme ça. Chaque septième jour, ils donnaient comme un thème qu'ils voulaient partager presque toute la semaine. Donc, ils marchaient comme ça. Ils prenaient un thème, ils vont aller dans la synagogue, ils partageaient ça, et ça continuait comme une chose qu'ils vont partager toute la semaine. C'est presque que nous. Tu as une église, tu peux citer mon nom qui est un thème, tant que tu as un peu de temps, tu as un peu de temps, tu as fortifié, tu as un peu quand même durant toute la semaine. Mais sauf qu'il faut qu'on fasse le maximum, que ce ne soit pas que toute la semaine, mais comme à peine à vie, alléluia. Parce que les Juifs, ils faisaient ça comme leur vie. Donc, il y avait un endroit où ils enseignaient. Et cet samedi-là, Jésus aussi, il est parti, comme d'habitude, d'écouter et de parler de Dieu. Mais quand il est entré, la Bible dit, il y avait un homme qui avait une main. Il était un peu sèche. Je ne sais pas comment on peut définir ça. Donc, la main, il était lépreux. Donc, c'est que lèpre, en gros, déjà, c'était un miracle. Pour lèpre, moutouane, il y a quelqu'un qui a un à il m'a. Donc, je crois que c'est à cause de ça, où il permet à Moutouana à côté en assemblée. Parce que l'autre jour, un passé aussi nous a expliqué. Donc, tout le monde qui était impur, il était éloigné de l'accampement. Tout le monde qui était impur, Ozana pour Makila, Ozana pour Malèpre, Bazala qui éloignait la société. Donc, je sais que quelque part, cette personne, il n'était pas éloigné, mais ils ont lui donné une autre opportunité. Opportunité d'aller dans le temple. Mais tant que Batinde dans le temple, c'était comme une piège pour Bakanga Yesu. Alléluia. Cet homme, il est parti dans le temple comme une piège pour accuser Jésus. Mais cet homme, quand il est entré, Jésus, il est entré aussi dans le temple. Jésus a commencé à enseigner. Et mais quand il a commencé à enseigner, donc il n'y a pas de temps pour Yesu. Ils se concentraient dans la prédication. Ils n'étaient pas concentrés par rapport à la prédication que Jésus disait. Mais ils étaient concentrés à cet homme. Pour voir qu'est-ce que Jésus voulait faire dans la vie de cet homme-là. Tout le monde était concentré à cet homme. Et ça fait que Jésus, il a compris que non, on ne se concentre pas à Moutoui. Ni Balini pour la Moutoui. Et comme la Bible nous dit, il sonde le cœur et le rein. Alléluia. Et l'okozo kanisa, nous le bien, je sais bien. C'est ça l'avantage de Jésus. C'est ça l'avantage de notre Dieu. Mais or, diable, il n'est pas comme ça. Tu vois, le diable ne est pas comme ça. Ce n'est pas les choses que toi tu penses, diable, bien ou non. Mais Jésus, Dieu, il sonde le cœur et le rein. Tant que tu as dit que tu as dit que tu. Et qu'est-ce qui se passait? Et Jésus, il a compris. Il a le bon. Moutou ndengi a zalaki lokola mutambo. Ngalo la ksabango, qu'est-ce que j'ai fait? Tango mouta sala ke loko na yenga pina sala koyanga. Alléluia. Moutou a déterminé loko mogo boy. Mais la dernière parole vient de notre Dieu. Ah, t'es dans le monde de te comprendre. Mais tu me souviens de ça qui va être à cause de la moutambo. Tout à l'heure, on va être en 2018. Mais nous allons permettre de te comprendre en 2018. Mais tu vas être en 2018, tu vas être en 2018. Mais Simba. Mais Yesu vas être en 2018. Simba. Aïe pour accorder ça, on a répondu à Yé. Oh, c'est un nouvel départ. Donc, si on a un nouvel départ dans la vie, il y a une condition. Quand on a répondu à Yesu. Parce que la réponse du Seigneur, c'est lui-même le Seigneur. Or, sur le talibé la création, quand Dieu a créé le monde, premier jour, deuxième jour, septième jour, la Bible dit qu'est-ce qu'il a dit? Jésus, Dieu, il a pris son repos. Tout le monde qui travaille connaît ça. Dans le moment de repos, ou bien dans le moment de vacances, dans le moment de vacances, donc, c'est que dans le moment là, c'est plus le travail qui décide. C'est moi qui décide. Je ne sais pas si vous comprenez. Ce que nous avons salle, nous avons dit de 6h jusqu'à midi. Donc, c'est que midi jusqu'à midi 30 ou bien jusqu'à 13h, si vous avez une heure à repos, nous avons une heure, on a bien 30 minutes, on a un grand nombre de ceux qui n'ont pas lié, ceux qui n'ont pas nimba, ou bien ceux qui n'ont pas bien mis le téléphone. Parce que c'est moi qui décide à ce moment-là. Or, c'est ça que les Juifs ne comprenaient pas. Donc, le septième jour, le jour de repos, c'est le jour où Dieu il va décider qu'est-ce que lui il va faire de la vie de quelqu'un, ou qu'est-ce qu'il va faire dans ce monde-là. Or, Balinga Kiba Kize Yesu, pourquoi? Parce que selon Torah, Ezoko Pekisa Mutu Asala quelque chose. Il interdit les gens de faire quelque chose dans le septième jour.
Donc ça signifie quoi? C'est à quelqu'un qui est malade dans ta maison. Comme c'est le septième jour, tu ne peux rien faire. Tu ne peux faire rien. Mais cet jour-là, Jésus il est venu. Il a dit non. Cet homme-là, il n'a pas de repos dans sa vie. Mais moi, je suis venu pour que cet homme prenne aussi des repos. Donc, c'est qu'on va imaginer. La main droite, elle a le beau et ça a presque nuance. Donc, cette personne, elle a une maladie. Parce qu'il n'était pas comme ça. Il n'était pas né comme ça. Mais elle a un problème, il a une difficulté, il a une vie. Ça l'empêchait même de travailler. Parce qu'il n'y a aucun patron de l'époque-là qui pourrait prendre quelqu'un qui était déjà lépreux. En plus, la main droite, la main qui fait presque tout, il est avec un défaut. Donc, c'est que, nous allons comprendre, Dieu a l'ingi à restaurer Ezalamoussala Nayo. Dieu, il veut restaurer pas que ta santé, mais il veut restaurer même aussi ton travail. Tout ce que tu as perdu. Comme on a dit le dimanche passé, Dieu, il veut te restituer, il veut te donner tout ce que tu as perdu. Tout ce que tu as perdu dans l'année dernière, dans cette année-là, Dieu, il veut te donner encore. Mais avec une condition, entre dans les repos de le Seigneur. Donc, quand tu entres dans le Seigneur, même ta vie, tout ça va changer. Et cet homme, il pensait que c'était le jour de son opprobre. Cet homme, il a pensé que non, il est pas un jour à Soukananga. Aujourd'hui, c'est le jour de ma tristesse. Mais il entendait un mot. Jésus l'a dit, lève-toi. Or, si on comprend, c'est que cet homme, il était assis. Cet homme, il était assis, mais Dieu l'a dit, lève-toi. Si on voit bien dans la Bible, combien de fois Dieu l'a paru, combien de fois Dieu l'a paru au prophète, il disait une chose, lève-toi. Pourquoi Dieu, il nous demande de se lever? Parce que quand on est assis, on n'est pas en activité. Mais quand on se met debout, c'est pour entrer dans l'activité. Donc, si on a vendu, on a salaté, mais si on a mis, on a dit qu'on salat. Or, Jésus veut que cette année, nous tous, qu'on entre dans l'activité. Parce que si tu vois, Jésus voulait entrer dans la gloire à Jérusalem, les jours de triomphe. Mais la gloire, Or, nous allons comprendre, année Oyo, et ça, année en conquête. Nous allons conquérir. Nous allons faire des choses. Nous allons faire des choses. Nous allons faire des choses. Il ne veut pas que ta vie soit liée. J'ai lu un verset de la Bible. Ça m'a fait comprendre la puissance de la prière. La Bible dit que Pierre, il était en prison. Pierre, il était en prison. Il y avait des gardes qui surveillaient Pierre qui ne sort pas de la prison. Mais avant que Pierre va dans la prison, il y avait déjà Jacques qui était décapité. Ils ont coupé Pierre, ils ont coupé la tête de cet homme-là. Mais ils ont pris Pierre, ils ont l'amené à la prison. Mais la Bible me dit une chose que j'ai beaucoup aimée. L'Église, il restait unie. Et l'Église, il priait à faveur de Pierre. Donc, il a fait comprendre la puissance de la prière de la vie d'unité, de la vie où il y a l'amour. Parce qu'ils avaient l'amour dans le cœur. Parce que pendant que tu sois inerte, même 5 minutes seulement, pour prier pour quelqu'un, tu dois l'aimer. Si tu ne l'aimes pas, tu pourras prier pour lui. Pour donner attention à quelqu'un, tu dois l'aimer d'abord. Parce que comme nos enfants, on fait des choses dans la vie de nos enfants. Pourquoi? Parce qu'il y a cette chose qu'on appelle d'amour. Je me souviens des fois, je viens du travail. J'ai travaillé toute la nuit. J'arrive à la maison. Pour dormir, mon fils il veut jouer. Là, il est motivé, il veut jouer. Oui, il a raison. Parce que tu sais dans ta tête, ça c'est mon fils. C'est parce que c'est moi. Et c'est toi qui es dans ce monde-là. C'est parce que ton papa non t'a décidé. C'est parce que Dieu t'a décidé. Et n'enga tu as mon charge en Zambé. Moi j'ai dit, Dieu pour moi, ce n'est pas un Jéhovah Jireh. Non. Dieu pour moi, ce n'est pas un Jéhovah Rapha. Mais c'est un papa. C'est un papa à moi. Comme il est papa, il n'a besoin d'un gars qui est un salaire. Non, n'est-ce pas que vous comprenez, n'a. Moi, na soki ba botie po ala to ke singa panane. Soka bela o ke ne panane. Et c'est comme ça notre Dieu pour nous. C'est pas un Jéhovah Rapha qui est malade. Non, na ba besoin, na malade, na bitumba. C'est toujours lui notre Dieu. Non, c'est toujours notre Dieu.
Donc c'est qu'il est là, là pour nous. Et nous, on doit comprendre ça. Si on ne comprend pas ça, on ne pourra pas bénéficier de cette grâce. Jésus l'a dit, l'homme vient au milieu. Et quand il a appelé au milieu, il a dit, étends ta main. Tanda lobokunayo. Et cet homme, quand il a mis sa main droite, toutes les choses a transformé dans sa vie. Jour où on ne sait pas, c'est le jour à Mawa. Mais comment qu'il joue et c'est pour la vie. Comme on a dit dimanche dernier, il va enlever à Kolongola Mawa, à Kolongola Soni, à Bisso. Nous allons restaurer nos vies. Il veut restaurer nos vies, la vie de nos enfants, même la vie de notre famille. Alingi a rénové, même Ndakunayo. Parce que c'est comme ça que Dieu veut. Alingi teke ozala oyen église au seko comme Ndako leli. Il veut que oseka awa, oseka pe Ndako. Il veut la paix totale dans la vie de ses enfants. Papa nyonso a luka ka recite na vie à mwananaye. C'est pour cela papa il paye pour son fils aller à l'école. C'est parce qu'il veut la réussite de son fils. Amen. Acclamons pour la gloire de Jésus. Or, Jésus n'a pas vu s'il voulait l'acquiser ou non. Il y a une chose qui est écrite dans la Bible, qu'il est la tête d'église. Ce qu'a la tête d'église, c'est parce que l'église, c'est le reste là. Alléluia. Donc, c'est que Moutou, à côté de la Nanzela, ou missionné comme on a, à côté de la Nanzela, ou comme Manzotou na ye kweyate, ou comme Manzotou na malam. Lampe ya âme na biso zalaka miso. Ok, Jésus a miso na biso. Biso to zaka bavegle. C'est pour ça que moi je dis tout le temps. Moutou, Bible dit que moutou te akouta nan zambé à vivre. Moutou non sa mou nan zamba sa anime. Akoufaka. Alléluia. Soko kouta nan zambé na gloire na yoko koufa. Yango so mou na pona Moïse a ibisa ki na kouta lo bogo pou mou na gloire nan gate. A yusi Moïse soko mou na gloire nan koufa. Paul l'a essayé de voir la gloire nan zambé. Akoumi aveugle. Donc c'est que Dieu il peut te permettre pour te faire une faveur. Mais il faut que nous avons dit, ce que les gens ne connaissent pas, parce que tant que nous avons battu, nous avons dit, nous avons dit, nous avons or, moutou a koufi, a sekoui na yesu, a salaka des choses selon Jésus. Paul l'a dit une chose, soyez mes imitateurs, comme moi je suis imitateur de Christ. Soyez mes imitateurs, comme moi, je suis imitateur de Christ. Vinayo, je suis imité nan. Ndakuna, olingi tamble modèle ya nan. Obi, olingi tamble modèle ya nani, ya nini. Parce qu'il y a une chose que j'ai dit tout le temps. Moi, je ne vais pas. Moi, je cherche toujours que même ma maison soit un petit tabernacle pour l'adoration de l'Éternel. Amen. Je me bats pour ça. On se bat pour ça. Je ne vais pas venir de l'église adorer, adorer. Mais quand on arrive à la maison, au changer système. Tu ne pourras pas entrer dans la paix du Seigneur. Tu ne voudras pas entrer dans son repos. Parce que Jésus veut qu'on entre dans son repos. Septième jour, et ça, septième jour à repos, il y a malobaté. Et ça, n'a papa, moi, quand tu as condimé, moi, je suis malade, dans le jour de repos, il y a quand même un avant de nandako. Je sais que tous les parents, il est capable de sacrifier tout ce qu'elle a, ou bien tout ce qu'elle a conquéri dans sa vie, pour sauver la vie de son fils. C'est ça qu'il devait faire dans notre vie cette année. Cette année, Nzambalingo kota na reponaye. Cette année, Nzambalingi, il veut restaurer la santé, même de ta famille, même la santé de tes enfants. C'est pour cela qu'il ne laisse pas dans la maison. Kouti kabango sunanda kouti. Yakana bangwa. Alléluia. Ramenez tes enfants de la présence de l'Éternel. Oazoboya, il va comprendre un jour. On va continuer à prier. Parce que j'aimerais bien qu'on regagne une chose. Si on regarde une chose ici, on va voir que là, c'est famille de tel, là et là, ils ont famille de tel. C'est ça, c'est une famille qu'on est là. L'église, c'est une famille. L'église, c'est une famille. Alors, on va entretenir cette famille. On va se battre que cette famille reste toujours unie. Parce que les peuples qui sont unis, ils vont toujours gagner. Mais nous, si nous ne sommes pas unis, on ne verra jamais la gloire de Dieu. Même Jésus l'a dit. Royaume qui est divisé, il ne réussit jamais. Cette année, c'est une année de conquête. La lingite année à conquête, c'est la pona basou, c'est la pona basou. Moi, j'aimerais bien, même Dieu, il veut que tout le monde entre dans cette conquête, de conquérir, d'avancer encore. Acclamons pour la gloire de Jésus. Amen. Livre Hébreux, le Bénin. Ils ont fait confiance, ils ont fait foi à Dieu. Après, ils ont mis des choses en pratique. Il y a une chose qui devait avoir la foi en lui. Foi, c'est quoi? Foi, c'est quoi?
C'est croire dans les choses que tu ne vois même pas. Accepter, tu dis qu'il y a un Simba. Il y a des gens, des fois, je voyais à l'église. Oh, il y a un Simba Mwana, il y a un Simba Mwana. Il y a un Simba Mwana na kombo na Yesu. C'est ça la folie. C'est ça la foi. Un jour, j'ai lu les choses que Jacob il avait fait. Jacob il est sorti un jour chez lui. Il est parti dans le désert. Il a commencé à creuser. Alors que nous avons un boulot, parce que nous avons un boulot, nous avons un place. J'ai dit, dans notre époque, ça voulait être dit. Tu voulais dire oui, c'est facile. Parce qu'il y a beaucoup d'appareils qui peuvent détecter s'il y a l'eau ici ou non. Dans notre époque, il y a des machines. On peut creuser. Non, il y a de l'eau. S'il n'y a pas de l'eau, on y va. Mais lui, il est parti dans le désert où il fait 50 dans la journée et 50 à la, moins 50 à la nuit. Lui, il est parti avec une décision parce qu'il a écouté la voix de Dieu. Un jour, quand j'ai lu les livres des Hébreux, ils ont dit, c'est par la foi que Jacob il a fait ça. J'ai dit, oh, la foi, c'est ça. La foi, c'est la folie. Croire, et c'est comme ça que tu as besoin de Simba, et c'est comme ça que tu as besoin de. Il y a des gens, des fois, qui font une chose. Mais lui, il a dit, j'ai foi en Dieu. Je vais le faire et je vais réussir. Il y a une chose. Il y a une chose qui fait qu'un homme réussit. Foi en Dieu. Moi, des fois, je dis, il y a des gens, des fois, il y a foi, mon coeur, il y a des. Moi, j'ai vu une maman à Toulon. Quand il est venu, une chose, quand il est passé, il y avait une ville à côté. Il est passé là-bas. Quand il est arrivé chez sa sœur, il a dit, Vilio kaka. Non, il ne peut pas dire qu'il. Ayope, ayope. Il est venu, il est parti dans cette ville. Premier tour, rejet, deuxième tour, 10 ans. À cette époque, comme il passe. Mais il a dit, Nazana Nzambi na okine na ville wana. Na rejoignons. Il a dit, il a pas donné une autre référence. Dieu, il a dit, Dieu, il est avec moi. Moi, je vais aller. Parce qu'il sait que si je vais avec Dieu, je vais entrer dans le repos. Parce que Dieu, il veut que dans cette année, on a un repos. Même ceux qui m'ont pépé ça, ma casse, na jinga jinga. Mais il y a le bité dans ma boca, papa, on va sur l'autre côté. On va imaginer, ma Bible dit que Jésus, il était là, Jésus, il dormait. Mais le vent soufflait. Même la mer, il était agité. Les disciples, ils ont commencé à dire, Père. Parce que, parce qu'il en a répondu, embêté. Quand Jésus s'est réveillé, il a dit, mon pépé, yoka. Maï, calme-toi. C'est ça qui Dieu y veut. Oh, quand on a répondu à Yé, et c'est qu'à tempête, c'est ça. Parce que mon culi, oh, il est comme une tempête. Bah, tu vois, comme qu'on banga batanta à gauche, batanta à droite. Mais Jésus ne veut pas qu'il banga batanta, mais oh, quand on a répondu à Yé. Ce que quand on a répondu à Yé, moi, on a besoin de se faire va batouté. Non, on a besoin de recevoir ce que tu me salates. Toi, tu vas dire, moi, je suis dans le repos de l'éternel. Non, quand on a servi, puis ma cambe Simba. Maintenant, le local est comme difficile pour Nabino. Non, notre Jésus, c'est notre para-rédempteur. Moi, je crois toujours à une chose. Oui, c'est la folie pour moi. Mais tu rejoues si grand qu'on n'a pas imaginé. Moi, je crois en ça. Donc, on va avoir un local que tout le monde va dire, il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Ah, ce que c'est la kinzambete. La Bible me dit, ce que c'est la kinzambete. Mais comme Dieu, il est notre Dieu. Jamais tu koyaka lokola bandeke. Jamais tu koyaka lokola nyama. Parce que lui, il est là comme le véritable lion. Et c'est la carrière, il y a un lion dans mon tambour. C'est la carrière. Il y a un lion. C'est pour cela. Sache une chose, notre départ, le nouvel départ qu'on fait pour aller conquérir, nous sommes une armée. C'est toi et moi, nous sommes des soldats parce que nous sommes une armée. Et si nous sommes une armée, toute l'armée, il a un général. Notre général, il s'appelle Yeshua HaMashiach. Acclamons pour la gloire de notre Jésus. La Bible dit, quand Jésus a fait ce miracle, dans la vie de cet homme, il y a des gens qui s'élevaient pour s'y opposer. Dieu m'a fait comprendre qu'il y a des gens qui vont s'y opposer dans ta vie. Il y a des gens qui vont s'y opposer dans ta vie. Il y a des gens déjà qui ont dit, tout ce qui est limite en 2017, ma côté sur 2018. Ah, mais surtout qu'on multiplie le coup. Ça n'a pas tout, ça n'a pas multiplié le coup. Jésus déjà a la réponse pour toi. Tu es plus qu'un vainqueur. Non, tu es plus qu'un vainqueur. Ici qu'ils allaient quitter, crois en lui. Encore plus ça, Yango. Tout est l'ami.
Thank you.